Ça, c'est important. Il faut bien comprendre que quand on dort toute la vie du même côté, on va abîmer le côté sur lequel on dort. Des études ont montré que le fait d'écraser un demi-visage toute la nuit, eh bien, ça va entraîner des micro-infarctus cutanés, graisseux, osseux, qui vont affiner cet demi-visage d'un point de vue structure profonde, mais aussi abîmer la qualité de la peau de ce côté-là. Et de plus, vous pouvez vous retrouver avec les rides du sommeil, qui ne sont pas du tout des rides d'émotion, et donc généralement qui ne sont pas très esthétiques. Donc comment dormir sur le dos? Avec un oreiller à mémoire de forme, pourquoi pas? Avec un oreiller vraiment hyper moelleux qui va vous englober les joues et ainsi tromper votre esprit. Et pour les premières semaines, pour celles qui n'ont vraiment pas l'habitude, on peut se caler des petits coussins de canapé contre le torse de part et d'autre. Et ainsi, là aussi, votre esprit va se sentir trompé parce qu'il se sent comme dans un cocon. Et ça va vous aider à dormir sur le dos. Dormir sur le dos préserve le visage. On l'a dit pour éviter les asymétries liées à la compression avec le temps, mais aussi parce qu'il va permettre au drainage lymphatique de se faire de façon correcte pendant la nuit.